Bon, enfin un stuff correct avec notre copine. Dans ces niveaux, il va falloir faire très attention. Ok, intéressant. Non, on va pas le prendre tout de suite. Hein. Voilà. Et putain. Ah mais crève saloperie. Et on a encore une sacrifice room incroyable. Je croyais que ça allait s'arrêter, mais non. Par contre, je vois plus rien avec mon tir. Hein. Quand je suis comme ça, au secours, quoi. Et je pense que là, c'est terminé, les objets de Godroom. Hein. S'il y a une sacrifice room, là, c'est pas pour un objet de Godroom. Ça dégage. Par contre, on peut gagner un cœur tout de suite. Et on va le faire. Voilà. On va réfléchir. Parce que si je peux avoir des petites mouches de protection... Jouer. Qu'est-ce que c'est que ce truc à gauche là? Putain, j'ai un peu peur. Léprosie. Deux secondes. Ça me dit vaguement quelque chose. En subissant des dégâts, les AA gagnent une partie du corps en tank orbital hein, qui bloque des tirs ennemis et inflige 7 de dégâts par tic. Les ennemis avec lesquels ils entrent en contact, un maximum de 3 parties du corps peuvent être activées à la fois. Les parties du corps seront détruites après avoir infligé 30 de dégâts et ou bloqué 3 tirs. Les parties du corps persistent entre les étages. Les parties du corps orbitent sur la même couche que les mouches bœufs et les criquets. Oulou. 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 À mon avis, il va y avoir une interaction de dingue. Ça peut être marrant. Je sais plus tout ce qui se passe, hein.
Pardon ? Quoi, ça va marcher ? Oh putain, ça a embarqué ma bombe, bordel de merde ! Ouais, faut que tu t'arrêtes un jour, putain de merde, tu m'emmerdes là. Y a des cœurs ici, là. J'ai plus qu'une clé, ça m'emmerde. Merci. Bon. J'aurais dû prendre la clé, mais bon. Bon, vraiment le cœur ou pas ? Plus de cœur, ça, on s'en fout, mais par contre le cœur, on s'en... enfin la batterie, on s'en fout pas. Donc du coup, hop. Hop. Ok. Quand même cette sacrifice room maintenant là, me fait de l'œil hein. Ok. Dommage. T'es bien lancé. Parce que là on a un demi-cœur. Encore un demi-cœur. Et un cœur anti... Oh ouais non. Allez. Oh putain, c'est la teuf. Ok, on y va. Ouais mais non mais j'ai peur qu'il me transporte à Sheol quoi. La run elle est dead. C'est ce qui va arriver hein. Non, abandonne. Abandonne. Je sens pas. Par contre on peut faire la curse quand même, ça n'empêche pas.
Ok, tâche poncée. Quand il n'y avait pas un cœur bleu à choper. J'ai des doutes. Non. On contient une carte. Ah bon. Toujours ça. Ok. C'est lequel? Ah, c'est vraiment l'ennemi. Ah, j'aurais dû attendre, je suis con. Oui, je vais faire ça. He's self-destructive and disturbed just like his father. Look at who he has to look up to. You're drunk again, aren't you? Shut up! Shut up! Just keep pushing me like this. Please, but please! We'll be fine without you. Est-ce qu'il y a plus de crâne? Viens, approche-toi, pépette.
Pas mérité. Je sens pas. Tu vas d'araignée. Corriger tout de suite. Bon, oui. Dis donc. Okidoki. Allez, au max. Là, c'est fait. Donc maintenant, si je peux choper autre chose. Purple Heart, je crois que c'est... ça sert à rien. Purple Heart...
augmente le taux d'apparition des ennemis d'élite. Pour avoir des récompenses d'élite. Est-ce que ça marche maintenant que je suis ici? Attends, c'était sur ce niveau-là, hein, puis on verra bien. Ça, c'est un ennemi d'élite. Ah, merci la récompense. Putain. Je vais reprendre mon 404, je te le dis. Ça par contre, je sais pas d'où ça vient. Désolé pour le dans le micro. Ça m'a tellement surpris que j'en suis resté un peu bavard. Ça donne quelque chose avec 4 clés, mais allons-y. En abondance, il m'intéresse ici. Hein. Quel dommage. Parce que le death, bon bah, c'est dit de vue quoi. Gérard, ça peut peut-être être plus intéressant. Bon, attends, allez hop. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu un petit freeze là. Un drop charme.
Les effets de l'arme basés sur la chance, c'est-à-dire infligeant un statut ou d'autres effets tels que l'euthanasie, ont plus de chances de se produire. Alors rappelle-moi, j'ai pas grand-chose en effet de charme, hein. Voire rien du tout. Grave, c'est non. Oh oui, merci. Ah, voilà une carte qui fait très plaisir. The Devil. La carte c'est bien, mais bon, j'aurais aimé changer mon activable. Ouh, salut toi. Ça va s'imiter à ça, parce que vu de pif, on est proche de la fin. J'avais vu juste. Un petit peu de protection. Pourquoi pas? Ça commence à tourner un peu autour de ma gueule. C'est pas mal.
Ok, bon. À savoir où est-ce que j'utilise ma carte The Devil. Hein. Plutôt contre Dad. Hein. Si tout se passe bien. Mais putain, à chaque fois. De toute façon, après. Ok, ça a été rapide, ça c'est la bonne nouvelle. Ah, mais putain, je savais pas où est-ce qu'il est derrière. Allez, 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 je fais de la merde, je fais de la merde. Oh, je l'ai déjà eu. Oh la vache, ah oui, d'accord. Ok, bien. Pourquoi je tire comme ça? C'est quoi ce tir de merde? Sérieusement? Mais j'en veux pas? Comme 40 par contre. Voilà, ça va faire très mal. Par contre, je ne comprends pas ce tir à la con là. Ah mais merde, 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 ça c'est une saloperie. Dégage. Putain, mais c'est vraiment un tir à la con. Par contre, là, pourquoi je fais plus mon méga tir? Et je commence à en avoir marre, là. Il se passe quoi? Allez, quand même. Oh mais sérieux, je suis petit comme un moucheron, je passe pas ça.
Arrête! Je fais de la merde, 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 je fais de la merde. Ah bah ça y est, on a déjà la date. Ok, ok. Et je suis con. Bah, vaut mieux tard que jamais, hein. Bien vu, trou du cul. Putain, il est presque mort, il est presque mort, il est presque mort. Pas de panique. Ouais, c'est une oui. On va pouvoir respirer. Putain! Suddenly, the sky above cracked open, and a white beam. On a brisé la malédiction. J'ai réussi à avoir papa. Oh, ça fait du bien. Ouais, on a envie de voir la récompense tout de suite ailleurs. On passe. Candy Earth. Intéressant. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais me détendre, manger un petit morceau. Et peut-être refaire une petite partie tout à l'heure. Allez, tchuss.